Bienvenue à Alliance Éternelle Santé, je suis Léonard de Vinci Fotso, je suis naturopathe et j'aimerais vous présenter, de par ces rubriques qui seront régulières, les méthodes de santé naturelle. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ail comme aliment, comme épice qui pourrait nous permettre de nous en sortir sur plusieurs situations de santé. L'ail ressemble à un virus de par sa forme, la boule, et il a été prouvé que l'ail est capable de détruire les virus, les germes de plusieurs natures. Et je vais donc vous lister les indications, les propriétés de l'ail. L'ail intervient dans la dilatation des artères. Elle peut aussi intervenir en cas de palpitation. Elle fluidifie le sang, réduit le cholestérol. Il est hypotenseur, il intervient en cas d'hypertension. Le cancer redoute l'ail parce que l'ail arrête l'évolution du cancer et même guérit certains cancers. Les durions aussi. C'est-à-dire les callosités de la peau, les épaississements de la peau. L'ail détruit aussi les champignons, les levures, la dysenterie, l'une des maladies que l'ail peut permettre d'arriver à bout, les ascaries. Ceux qui souffrent de diabète ont aussi besoin de manger beaucoup d'ail cru. L'ail est vermifuge. L'ail intervient dans les infections internes, externes de tout genre dans le corps humain. Les pieds d'athlètes aussi. Et nous pourrons vous dire que l'ail, c'est un grand antibiotique capable de lutter contre les maladies comme la fièvre typhoïde, les virus aussi, de toute nature. Nous sommes dans un contexte de virus de plusieurs variantes. Donc l'ail peut nous aider à arrêter ces pandémies-là. Et les infections urinaires aussi. L'ail intervient dans ces domaines, les bronchites, la toux, l'asthme, voire même le sida. Ça intervient dans le traitement du sida. Nous voulons aussi parler, pour terminer, de ce que l'ail est tonifiant, dépuratif. Il intervient dans les sinusites chroniques, le choléra, les diarrhées et les hémorroïdes. Donc, ne manquez pas d'avoir l'ail dans votre menu à la maison. Mangez généralement l'ail cru parce qu'il est thermosensible. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye!